Je m'en veux trop, je vous explique. J'avais acheté le déguisement de carnaval pour Charlie et Joy. J'avais pris le même puisque c'était pas au même moment. Donc ça fait, franchement, ça fait presque un mois que je l'ai déjà acheté. Charlie, elle a pas pu le faire parce que c'était un vendredi et c'est quand je suis allée au parloir pour mon mari. Donc j'avais pris les petites, donc Charlie, elle était pas là à la crèche ni Joy à l'école. Donc Charlie, elle a loupé son carnaval. Et Joy, c'était aujourd'hui. J'ai zappé les filles. Là, je vais la chercher à l'école tout à l'heure. Je vois tous les enfants déguisés et tout. J'ai dit non. C'était le carnaval. J'ai dit, mais j'ai le déguisement à la maison. Il est neuf. Je l'ai même pas ouvert. Parce que pour Charlie, je n'ai pas pu l'utiliser. Parce qu'on est allé au parloir. Et pour Joy, c'est aujourd'hui. Mais j'ai zappé comme je m'en veux. Après, ils m'ont dit, t'inquiète. Je vais vous mettre une photo. Je crois qu'elle m'a envoyé. Et ils l'ont mis en petite princesse. Ils avaient un déguisement en princesse. Mais les filles, j'avais acheté un déguisement. J'avais pris ça, la licorne. J'avais tout ça et j'avais même pris des trucs pour ça. Faire des petits dessins sur le visage. Et ben, du coup, ce sera pour l'année prochaine. Hein. Il est tout neuf, j'ai même pas utilisé. Même pas ouvert rien. C'était pour le carnaval. Et j'ai zappé. J'avais trop les nerfs de moi. Je vous jure, j'étais énervée contre moi-même. Ah ouais, je vous jure, les filles. C'est pas comme si j'avais pas acheté le déguisement et j'avais pas le temps de l'acheter. Non, non. Je l'avais acheté depuis plus d'un mois. Je l'avais à la maison, dans leur chambre. J'attendais qu'une chose, c'était le carnaval pour pouvoir leur mettre. Bon, Charlie, c'est une chose, c'était prévu. On n'y est pas allé. Mais Joy, non. Joy, elle devait être déguisée. Je suis trop énervée contre moi. J'ai oublié. C'était le carnaval. Et lui, elle était comment, Charlie? Hein? Alors, les filles, je suis en train de faire un petit son de shopping. Bon, du coup, on peut pas trop vous montrer, mais on fait un shooting avec Donia. Je vous montrerai après sa page Insta et tout. Ils sont en train de préparer les backstage. Alors les filles, du coup là j'ai mis une veste Zara, elle est vieille, voilà, ensuite j'ai mis un petit t-shirt Zara, rose, le jean c'est Bershka, et ensuite j'ai mis des chaussures comme ça là. Du coup les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bon je vous ai montré vite fait, après je mets le sac et tout, du coup ça fait un accessoire. Voilà. Demain. Bon les filles, j'espère que vous allez bien. Ce matin, non mais moi, il est le réveil. Heureusement, je le mets super, super tôt. Parce que si je le mettais un peu plus tard, je me réveillerais en retard. Demain, tu vas le voir, papa. D'accord? Encore ce soir.
Et demain, tu vas le voir. D'accord, avec ta soeur, vous allez voir Papoun. Non. De quoi? Oui, il y a papa. Où? Demain? Bon, j'espère que vous allez bien, les filles. Comme d'hab, vous connaissez maintenant ma routine, ma vie du matin. J'ai posé les poupettes. Après, je vais au travail, les filles. Oui, mon bébé. Oui, maman. Oui, mon cœur. Quoi, mon petit ange? C'est quoi cette petite voix triste ou nette? Je suis allée faire des petites courses pour le poké. Voilà, il fait grave beau aujourd'hui. Il y a du soleil. C'est trop trop agréable. Mais vraiment, je comprends plus le temps. Un coup il fait froid, un coup il fait bon. Je comprends plus rien.